une madame pour séparation abusive. Quoi? Comment ça? Je n'ai pas à me justifier. Mais je sais qu'un arbitre doit toujours avoir raison. Je fais mon job. Si vous avez un problème, vous avez qu'à aller voir le directeur. Ok, je vais pas me justifier. Alors déjà vous vous calmez, bonjour d'abord, et là je suis occupé, ça peut attendre un peu? Non, ça va pas attendre. Ok, bien, bon, du coup vous me disiez... Je disais, est-ce que vous trouvez ça normal de prendre un carton rouge pour avoir célébré un but? Eh bien, en principe non, mais après tout dépend des circonstances. Rappelez-moi, c'était quoi votre célébration au juste? Eh bien, j'ai enlevé mon maillot, je l'ai jeté au public, prise par la joie. Mais vous trouvez pas la réaction, comment dire, complètement abusée? Eh bien, avec l'histoire entière, je comprends mieux l'ampleur de la situation. Et donc, je trouve que la réaction de l'arbitre est... correct. Attendez, mais je vous coupe là. Vous savez que la semaine dernière, un joueur masculin a fait exactement la même chose, il a eu zéro sanction et même des félicitations de l'arbitre. Bah, bien sûr que oui, j'ai été mis au courant de ce but magnifique. Mais bon, après lui, c'est un garçon, donc... Et alors, c'est quoi cette justification, hein? Allez-y, finissez! Alors, je n'avais justement pas fini, donc si vous pouvez arrêter de me couper. En fait, le fait que ce soit un garçon, c'est moins choquant pour le public. Parce que le fait que ce soit une femme, ça peut lui emmener des problèmes avec le public. Donc vous insinuez que les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'être égaux, juste parce que quelques personnes font des gestes déplacés suite à ce genre de comportement? Oui, c'est ça, oui. Eh ben, vous voyez votre comportement avec l'arbitre? C'est typiquement du sexisme. Comme nous avons pu voir, il existe encore beaucoup de différences entre les hommes et les femmes dans le milieu du sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. De nos jours, filles et garçons sont passables de cartons rouges s'ils enlèvent leur t-shirt dans le milieu du football. Donc la situation qu'on a voulu montrer dans ce court-métrage, c'est une situation qui était encore fréquente dans le milieu du foot il y a encore quelques années. Donc nous avons voulu appuyer l'inégalité d'arbitrage au sein du football, mais il en existe plein d'autres comme le salaire, le sexisme, etc. Il y a quelques mois, quelques années, nous avons pu voir l'exemple typique du sexisme avec l'affaire Graet, écartée de la présidence de la Fédération Française de Football suite à des accusations de harcèlement sexuel dont ils ont fait l'objet. Il a finalement abdiqué. Ainsi, notre court-métrage est inspiré de faits réels et dénonce le sexisme. Donc nous devons faire réagir nos générations pour que les actes comme Graet soient terminés.